Bonjour et aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du Mercedes-Benz GLE Coupé. Donc, vous demandez sûrement où je l'ai acheté. Pour tous ceux qui habitent 64, donc tous ceux qui habitent à Pau qui viennent au Pays Basque et ceux dans les Landes qui viennent au Pays Basque, et bien je l'ai acheté à Biarritz. Et je l'ai acheté dans une boutique qui vient d'ouvrir. Donc, je vais vous donner un peu la localisation, hein, je sais pas vraiment. Quand vous voyez le poste de police, vous descendez, normalement il y a une petite pente et c'est à l'angle d'une rue, vous verrez de toute façon Mercedes-Benz et Smart. Et en 1/43, la seule voiture qu'il y avait, donc il y avait une autre mais à friction, c'était le GLE coupé. Donc voilà, il est vraiment bien représenté, c'est une rêve. Très belle jante. Voilà, donc GLE coupé. Et sur le passage, quand je suis revenue chez moi, j'ai vu plein de GLE, donc j'ai pu faire la différence. Donc il ne vous sera pas livré dans une boîte, mais comme ça avec un film plastique autour. Enfin, pas autour de la miniature comme ça, mais vous aurez le socle et la vitre au-dessus et vous aurez un film plastique autour. Donc ne cherchez pas à comprendre pourquoi la vitre est blanche, vous n'aurez pas ça, c'est juste comme mon grand-père a dévissé. Et bien il l'est posé sur la table rétroviseur à péter, on essaie de le recoller, puis on essaie d'enlever toute la colle autour, ça fait une vitre blanche. C'est pas grave, enfin, c'est vrai que c'est un peu moche, mais bon, on s'y fait. Voilà. De toute façon c'est des miniatures, hein. J'y joue, même si c'est pas réservé pour eux, enfin, même si c'est pas de mon âge, voilà. Nos rêves. Franchement, il est vraiment très beau. Donc, le seul coloris que j'ai trouvé, moi, c'était une rouge. Peut-être qu'il y a du gris, je sais pas. Je crois qu'il y a du gris. Enfin, je dis pas de bêtises. Je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de gris, voilà. Je ne sais pas. Donc, là, on peut apercevoir. J'ai le coupé écrit. Bon, là, vous le voyez pas. On a les turbos. Voilà. On voit bien que c'est un coupé. Hein. J'ai le coupé. Et franchement, il est bien représenté en gros. Donc, dommage qu'il y ait la vitre comme ça, mais bon, voilà, je pars de mon compteur. C'est pas grave, de toute façon. Voilà, le gros logo Mercedes, franchement. Et pour vous dire, c'est nos rêves. Hein. Franchement, moi, je pensais que c'était mini-champ, non. Nos rêves. Je l'ai payé 44€. Désolé de dire le prix, mais c'est moins cher sur internet, ça, je vous le dis. Vous tapez mini-car web, vous avez un 32€ avec les frais de port. C'est gris, c'est marron et franchement il est moins cher je pense. Mais aussi je pense que c'est plus cher qu'on paye directement sur place. Et voilà, rouge, très joli. Juste la fenêtre blanche, c'est pas grave.